Hello tout le monde, c'est ForloxFCC. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 14. Cet épisode numéro 14 va être fort en rebondissement. Parce que oui, j'ai envie que ce soit fort en rebondissement. Voilà, tout simplement, j'ai pas envie de m'embêter plus que ça. De vous dire le pourquoi du comment. Alors, voyons, point d'expérience. Est-ce que je peux augmenter mes chasseurs? Ouh, je peux augmenter mes chasseurs. Utilisez votre flèche comme des poignards et attaquez vos ennemis au corps à corps pour obtenir des récompenses supplémentaires. Expert en pistolet, exécutez vos ennemis à bout portant avec plus de récompenses débloquées, aussi des réticules de tir à la tête. Expert fusil à pompe. Allez, pistolet. Ça a l'air intéressant. Voilà. Et voilà. J'avais pas récupéré des munitions avant. Pourquoi j'ai plus de munitions? C'est pas cool ça. Il n'y a pas par là. Peu après la découverte du tombeau, les Onis sont apparus. D'abord, les lumières se sont éteintes. Et puis les hurlements ont commencé. Ce bruit abominable résonne encore dans mon esprit. Ils portaient les armures de mes ancêtres et nous attaquaient avec leurs épées. Des coups de feu, des cris, du sang. Nous n'avons rien pu faire pour les arrêter. Nous étions plongés dans le chaos. Puis le silence. Ils étaient partis. Mais pourquoi sont-ils partis? Pourquoi ne nous ont-ils pas tués? Le capitaine Osaka a pris le commandement. Nous quittons la base, mais pas l'île. Nous avançons dans les terres, vers le monastère. Nous n'avons pas le choix. Nous devons suivre Léonie. Puisque nous ne pouvons pas contrôler l'étoile, nous devons la détruire. Mais je sais que nous allons tous mourir. Le tombeau doit se trouver dans les niveaux inférieurs. Oh non, il est bloqué. Absolument, je débloque ce qui reste.
plus et mon charge tombera. Je dois trouver un moyen de dégager le passage. Il faut absolument que je débloque ce qui reste. Et le monte-charge sera dégagé.
s'agit-il de cadeaux offerts aux anciens souverains du Yamatai? À moins qu'il y ait eu une bataille ici. Ok, c'est ici. Ces personnages, des guerriers. Ils étaient dans le tombeau de la reine. Ils la protégeaient. Et ça, c'est toi. Tu étais une sorte de général? Tu t'es fait seppuku. Pourquoi? J'ai déshonoré ma reine. Le rituel a été corrompu. La prêtresse savait que seule la mort la sauverait et a donné sa vie. L'âme de la première et dernière reine est désormais prisonnière d'un corps sans vie. Sa rage provoque les tempêtes et ne s'arrêtera que lorsque son âme quittera cette terre. Mes gardes-tempêtes ont juré de la protéger. Ils devront continuer. Sans moi. Son âme reste prisonnière d'un corps sans vie. Voilà d'où viennent les tempêtes. Pour arrêter ça, il faut détruire le corps dans la chambre des rituels. Il faut que j'arrive à convaincre les autres.
non! Il faut absolument que j'y retourne. Reyes, tu es blessé. Merci. Cette fois, j'ai vraiment cru que c'était la fin. J'ai vu personne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Whitman. Il a emmené Sam pendant l'attaque. Il va sûrement la ramener à Mathias. C'est notre faute. Merde. Enfin, c'est ma faute. Alors on fait quoi? On peut prendre le bateau et chercher de l'aide. Eux aussi, ils y ont cru. Tu avais raison pour Whitman, mais... Mais tu as vu les tempêtes. Elles ciblent les bateaux qui s'approchent. Je viens de remarquer que mon micro était éteint depuis tout à l'heure, mais bon. Des scientifiques qui étaient là pendant la Seconde Guerre pensaient que les tempêtes étaient contrôlées depuis la chambre des rituels qui est près du monastère. Je n'ai pas toutes les réponses, mais l'enlèvement de Sam est lié à tout ça. Et si on essaye de partir sans comprendre pourquoi, on mourra tous. Comme les pilotes. Et comme Ross. Bon. Je sais pas ce qui se passe, mais... Elle a peut-être raison. On ne peut pas retourner à la forteresse. C'est du suicide. Ce n'est pas là qu'ils vont. Ils vont l'emmener à la chambre des rituels. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir se rapprocher. Écoute, je sais bien que tu veux retrouver ta fille. Je comprends, tu sais, mais le combat n'est pas fini. Je ne te demande pas de me croire, Reyes. Je veux que tu me fasses confiance. Pour une fois dans ta vie. Ok. On va mettre ça à l'eau. Ouais, ça me saoule. De remarquer juste à présent que... Oublié de brancher mon micro, bordel. Lara, qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans? Tu tiens vraiment à le savoir? Non, mais dis-le quand même. Eh bien, l'âme de la Reine Solaire est restée prisonnière d'un corps sans vie. C'est sa colère qui est à l'origine des tempêtes. Si nous détruisons ce corps, les tempêtes cesseront. D'accord. Et pourquoi Mathias veut ça? J'en sais rien. Et c'est ce qui m'inquiète le plus. Écoute, je sais que ce plan doit paraître insensé. Ça, c'est sûr. Mais je crois qu'on n'est plus à ça près. Alors on y va. J'aime bien l'arme faite dans le bateau. Non. Reyes et toi, vous surveillez l'entrée principale pendant que je recherche Sam. Tu comptes y aller seul? Plus on sera nombreux, plus on aura de chances d'être repérés. En restant ici, vous allez pouvoir éliminer un maximum de ces salauds. Et je ne parle pas seulement des Solari. Il y aura autre chose. Des samouraïs, les gardes tempêtes. Bref, si ce n'est ni Sam, ni moi qui approche, vous tirez. Ma petite Kai, on se reverra. Ça, je te le promets. Tu peux compter sur nous, Lara. Et oui, c'est la fin de l'épisode. J'ai pas trouvé de feu de camp, mais c'est pas grave. L'épisode fait 23, 20... Ouais, il va faire 25 minutes.
environ. Donc ça suffit pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, le petit clic sur abonner. Enfin s'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et pour voir la suite, de toute façon, faudrait vous abonner. Donc n'oubliez pas de prendre soin de vous. A plus tout le monde.